Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques photos et vidéos que j'ai pu prendre lors de mon passage en Biélorussie, dans la ville de Baranovitchy, que l'on voit ici sur la carte et qui est un ancien nœud ferroviaire de l'Union soviétique. Comme on le voit sur ces images, le musée est un musée à ciel ouvert qui compte essentiellement du matériel soviétique. On verra qu'il y a quelques locomotives allemandes et polonaises. L'exposition commence avec les différents rails à partir de 1854, puis des sémaphores, et ensuite on attaque la partie locomotive avec un diesel, une superbe 150. Chaque machine possède sa carte d'identité. Alors on pourra regretter que tous les documents sont en russe, donc pour les non-russophones, c'est un peu compliqué. Alors, la particularité de ce musée, c'est d'avoir non seulement des locomotives, mais aussi du matériel d'entretien, comme on voit ici. Alors là, on voit l'extrait du poseur de rails. Enfin, à la sortie du musée, pour ceux qui voudraient éliminer les draniki locaux, c'est-à-dire ces crêpes à base de pommes de terre et de viande, voici une belle locomotive à bras.